Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, nous allons parler de notre métier. So in today's video, we are going to learn how to talk about your job in French. And this can actually be very useful if you are practicing for your DELF exam. Alors pourquoi est-ce qu'il faut savoir parler de son métier en français? Why do we have to know uh, how to talk about your job in French? Parler de votre métier, c'est très utile pour le DELF A1, A2 ou même B1. So talking about your job is very useful for the DELF A1, A2 or even B1 exam. Here are some questions that your examiner can ask you during the speaking part, or you can also encounter them uh, for the writing part. Quelques exemples de questions pour le DELF. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous travaillez? Quel est votre métier? Où est-ce que vous travaillez? Aimez-vous votre métier? Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre métier? Ces questions peuvent très bien apparaître dans l'épreuve de production orale ou dans l'épreuve de production écrite. So once again, these questions can appear during the speaking part of your DELF exam or also during the writing part. So first, let me quickly help you uh, with uh, some tips. For example, if your examiner asks you, or if you read the question, Est-ce que vous travaillez? You can either say oui, je travaille, ou non, je ne travaille pas. C'est très simple, c'est très bien. But you can also uh, give more detailed answers. For example, oui, je travaille à temps plein. I work, I'm working full time. Oui, je travaille à temps partiel, part time. Uh, non, je suis au chômage. So no, I don't work. I am unemployed. Une autre question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? This is a question that can also be asked if the person wants to know what you do for a living. Par exemple, on peut dire je suis plombier ou bien je travaille dans la finance. Keep in mind that these, um, these expressions are going to use a specific structure. Je suis plus le nom. So je suis plus the noun. You should not add in um, an article, le, la ou un, une. So, for example, you don't say, je suis un plombier. You say, je suis plombier. Je travaille dans le, la, les ou l' plus secteur. So, this is where uh, you're, add, you're going to add uh, the articles, le, la, les, the definite articles. If you want to talk about a specific field of work. So, for example, je travaille dans la finance. Alors, pour répondre à ces questions, on utilise généralement le présent de l'indicatif. So, if you want to answer those questions, usually you are going to use the present tense in French selon la question, depending on the question, of course. For example, you might use the past, le passé, if Someone is asking you, avez-vous déjà travaillé? Or, est-ce que vous avez déjà travaillé? You are going to use the future if your examiner, of course, is asking, for example, something like, est-ce que vous allez travailler la semaine prochaine? It will depend on the question. Alors, passons maintenant au vocabulaire. So, what is the important vocabulary that you need to learn to talk about your job in French? Uh, le vocabulaire général, donc, travailler to work, gagner sa vie, avoir un métier, exercer un poste. Donc ça c'est le vocabulaire général. On peut aussi dire faire carrière, par exemple faire carrière dans la cuisine. Gagner sa vie. Gagner sa vie means to earn a living. Gagner sa vie. Un emploi, un emploi c'est un travail. Un emploi donc, il y a quelques expressions euh, familières. So, this is for familiar French, let's say street French. Uh, this is not really recommended for the Delph exams. But I thought that it would be pretty interesting for you to know. Un boulot ou un taf. Donc, un boulot ou un taf, euh, c'est un travail. So, it's a job. Donc, les différentes personnes au travail, un ou une collègue, un employeur ou une employeuse, un patron ou une patronne, un responsable ou une responsable, un chef de service ou une chef de service, un directeur ou une directrice, un assistant ou une assistante, un ouvrier ou une ouvrière. Donc ça, ce sont les différentes personnes au travail. Les différents types d'emplois. Donc un emploi à temps plein un 35 heures aussi un 35 heures c'est une semaine complète de travail so this is a full time job un emploi à temps plein un emploi à temps partiel part time job un CDI ou un CDD un CDI c'est un contrat à durée indéterminée so this is simply an employment contract this doesn't have a limit in time un CDD, un contrat à durée déterminée, is, uh, has a limit. So it's a work contract but it, it has a limit. So for example, you can have un CDD de uh, trois mois, par exemple. Nous avons aussi un contrat ou un travail intérimaire. Un contrat ou un travail intérimaire. We can also use l'intérim ou intérim to talk about this type of contract. This is a temporary contract as well. Un contrat ou un travail saisonnier. Uh, this is depending on the season. Donc un contrat saisonnier ou un travail saisonnier. Par exemple, la personne ne travaille que pendant l'été ou pendant l'hiver dans la montagne, par exemple, dans les stations de ski. Ça c'est un travail saisonnier. Voyons maintenant les différents verbes. Euh, travailler, bien sûr, travailler. Euh, le en français familier, vous avez le verbe bosser, bosser, travailler, to work. Once again, this is not recommended if you want to uh, aim for the DELF exam, but it's always good to know some street French. Exercer, exercer ou travailler, c'est la même chose. Embaucher ou engager. Donc embaucher ou engager c'est uh, to employ someone embaucher quelqu'un to employ or to hire être engagé ou se faire embaucher ou se faire engager to be hired être engagé se faire embaucher toucher un salaire ou toucher une paye, this is when you will have your paycheck toucher un salaire licencier ou bien Familier, virer. Licencier, to fire someone. Licencier. Ou vous avez aussi le, le synonyme renvoyer. Renvoyer ou licencier. Se faire licencier, to be fired. Se faire renvoyer, to be fired. Le familier, se faire virer. Partir à la retraite, to retire, partir à la retraite ou être à la retraite quand vous êtes déjà à la retraite être au chômage, to be unemployed, être au chômage. Mettre quelqu'un à la porte, mettre quelqu'un à la porte, eh bien, c'est une expression pour dire que vous licenciez une personne. So this expression means to fire someone as well. Démissionner ou donner sa démission. Donc démissionner, ça veut dire to quit your job. Démissionner, c'est quand on arrête volontairement de travailler démissionner. C'est la même chose, donner sa démission. Voici quelques noms qui peuvent être importants pour vous. Un salaire, une paye, un contrat ou un horaire. Un salaire, salary ou une paye, the same thing. Un contrat ou un horaire. Schedule or hour. Voici maintenant quelques exemples. Je suis professeur de mathématiques dans un collège de ma ville. J'aime beaucoup mon métier parce que je suis passionnée par les maths. Ici j'ai mis les maths en rouge parce que on peut dire les mathématiques mais on peut aussi dire les maths en français. Je ne travaille pas, je suis à la retraite depuis deux ans. Avant j'étais banquière. Je travaillais dans une grande banque à Lyon. Je suis à la retraite means I am retired. Je suis à la retraite. J'ai une carrière dans l'industrie pharmaceutique. J'ai fait des études pendant 8 ans et aujourd'hui je travaille dans un laboratoire. J'ai fait des études. I studied. J'ai fait des études. Faire des études. Je suis actuellement au chômage. Je cherche un emploi dans ma ville. J'aimerais avoir un poste de vendeuse. Je n'ai pas fait d'études, mais j'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant 5 ans. Donc, je suis actuellement au chômage. Actuellement is a fake friend. C'est un faux ami. It doesn't really mean actually in English. Actuellement means currently or at the moment. Je suis actuellement au chômage. Un poste de vendeuse, ça veut dire une place de vendeuse. Dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter ready to wear basically clothing Je ne travaille pas pour l'instant Hier je suis allé à un entretien d'embauche Tout s'est très bien passé et j'espère que le recruteur me recontactera Pour l'instant at the moment Un entretien d'embauche un entretien d'embauche is a job interview un entretien d'embauche Et voilà J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir